D'abord, j'ai été conçu, chacun de nous a été conçu du Saint-Esprit. Pas comme Jésus, parce qu'il y a eu pour moi un papa et une maman, mais sans l'intervention du Saint-Esprit, je ne serais pas un être humain. Chaque conception, c'est la première Pentecôte de mon existence. C'est le Père qui me donne son esprit, qui m'insuffle la roura, comme pour Adam, ce qu'on voyait hier. C'est pour ça que chaque conception actualise la création du prototype Adam. Voilà. Et c'est le Père qui m'insuffle son esprit à travers le cœur de son Fils. Sinon, je n'existerais pas comme être humain. Alors, Jean-Paul II a beaucoup développé ça. Il a des textes admirables en partant du récit de la Visitation, où Marie reconnaît immédiatement, et Élisabeth plutôt reconnaît immédiatement, la présence d'une personne humaine. Voilà. Et c'est déjà la petite Thérèse qui disait ces mots admirables quand elle disait « Mon ciel est de sentir en moi la ressemblance du Dieu qui m'a créé de son souffle puissant. » Voilà, ce don de l'Esprit Saint, Pentecôte. De ta petite main qui caressait Marie, tu soutenais le monde et lui donnais la vie. Et tu pensais à moi. Je peux donc m'appeler l'œuvre de ton amour. Donc toute la Trinité Sainte est intervenue, chacun dans son ministère particulier, avec l'homme et la femme qui m'ont donné la vie. Donc il y a 5 personnes qui ont été impliquées pour que je ne sois pas un animal, mais un être immortel. Or, l'immortalité n'est pas génétiquement transmissible. Une psychologie, un corps humain, oui, mais pas une âme immortelle. Et ce qui fait la spécificité de l'être humain, c'est qu'il commence d'exister à un certain moment et il existe pour toujours. Il est mis sur orbite de vie éternelle. Notre âme ne pourra jamais, jamais mourir. C'est une chose bouleversante. Peut-être beaucoup de parents ne se rendent pas compte de ce miracle chaque fois de commencer une personne qui n'aura plus de fin. Voilà, immortelle. Et donc tout de suite mis sur orbite de vie éternelle et fait pour voir Dieu dans la gloire. Voilà, nous sommes tous destinés, prédestinés, nous avons reçu l'existence pour que nous puissions vivre une vie sans fin dans un bonheur sans fin. Voilà, c'est le but de notre vie. On ne peut rien comprendre à notre vie si on ne voit pas justement vers où nous allons. Voilà, je me souviens, un jour je revenais, j'allais vers Medjugorje, donc on avait roulé toute la nuit et le soleil se lève juste devant nous, dans l'axe de la route, et je vois tous les panneaux de signalisation qui sont illuminés par la réverbération du soleil levant sur le pare-brise. Voilà. C'est comme si le soleil illuminait tout notre cheminement terrestre. Voilà. Toujours voir là où l'on va, sinon on ne comprend rien à notre vie. Voilà. Et j'ai reçu la vie par un débordement d'amour du Seigneur. C'est-à-dire que même si mes parents ne m'auraient pas désiré, même si j'aurais reçu la vie avec cet horrible mot qu'on emploie quelquefois par accident, eh bien pour Dieu il n'y a jamais d'accident. Si j'existe, c'est qu'il a voulu explicitement que j'existe. Voilà. Ça, c'est extraordinaire, voilà. Et même si les conditions, les circonstances de ma conception n'ont pas été comme Dieu rêve de donner la vie, dans une plénitude d'amour, même si c'est dans des circonstances dramatiques, ça fait pleurer le Seigneur parce que ça ne répond pas à sa manière à lui de donner la vie, mais même alors, il m'a donné la vie puisque j'existe.
Mon existence même est la preuve d'un amour fou de Dieu pour moi. Voilà. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que c'est à chaque instant qu'il me donne la vie. Ce n'est pas, il me lance dans l'existence et puis débrouille-toi. C'est comme pour tout le cosmos, on sait maintenant qu'il y a une espèce de programmation qui fait qu'à chaque instant, le cosmos reçoit des pulsions d'existence, on peut dire ça comme ça, pour vivre. Et c'est la petite Thérèse qui a ce mot magnifique. Elle dit, « Moi, pauvre petit être, je tomberai dans le néant si ton divin regard ne me donnait la vie à chaque instant. » À chaque instant, tu me suis et tu me gardes. Donc si je suis là devant vous, c'est qu'en ce moment même, le Père est en train de me regarder d'un regard qui impulse la vie, l'existence. Voilà. Ensuite, nouveau point merveilleux, c'est que chacun est unique au monde, comme je le disais hier, à partir des visages. Et donc, je dois me recevoir à chaque instant des mains de Dieu, ou plutôt du cœur même de Dieu. Et les parents accueillent leur enfant comme le plus beau des dons de Dieu. Notre pape François vient de faire, il y a trois jours justement, sa catéchèse du mercredi sur « Les enfants sont la joie de la famille, ils sont un don. Ils ne sont pas une propriété des parents, ils sont un don de Dieu. L'enfant est aimé non pour sa beauté ou pour ses qualités, il est aimé pour lui-même, pour ce qu'il est, avant même de venir au monde. L'expérience d'être fils, d'avoir été aimé en premier, avant même de venir au monde, sans aucun mérite, permet de découvrir la dimension gratuite de l'amour de Dieu pour cet enfant. Il y a un lien entre l'espérance d'un peuple et l'harmonie entre les générations. Une société d'enfants qui n'honore... Oui, là, ça conduit à ailleurs. Donc chaque enfant, comme le plus beau des cadeaux, directement donné par le cœur de Dieu. Voilà. Alors, nous devons aussi savoir apprendre la simple joie d'exister, le bonheur d'exister, simplement d'exister, d'avoir un corps si je suis en bonne santé, capable de marcher alors qu'il y a tant de paralysés, capable de voir alors qu'il y a tant d'aveugles, capable d'entendre la musique et les balbutiements d'un bébé alors qu'il y a tant de personnes sourdes. Est-ce que je rends grâce au Seigneur pour le don de ma vie? Et souvent, ce sont les personnes qui portent un handicap qui sont nos maîtres dans la joie d'exister. Je pense à la petite Anne Émérancienne que beaucoup ont connue dans le diocèse. Je vais voir ses parents cet après-midi. Eh bien, ces personnes qui nous entraînent dans l'amour de la vie. Je me souviens... dans un camp de jeunes en Autriche, j'avais été bouleversé par une jeune fille qui avait un super beau visage de 22 ans et un pauvre petit corps qui en était resté à l'âge de 8 ans. Donc elle était toute petite et elle m'a dit, jusqu'à l'âge de 17 ans, je vivais dans la révolte parce que les gamins se moquaient de moi dans la rue, etc. Et une nuit, j'ai compris que Jésus me disait, « Pour moi, tu es la plus belle fille du monde. Tu es la plus belle fille du monde. » Et à partir de ce moment-là, me dit-elle, ce qui a compté, ce n'est pas le regard des autres, c'est le regard du Seigneur lui-même. Et elle était à la fac de médecine, et ses camarades d'étudiants me disaient, « C'est elle qui est la plus bout en train, c'est elle qui nous entraîne dans l'amour de la vie, la joie d'exister, mais c'est elle. » Et maintenant, elle est médecin,
Et elle m'a écrit, voilà, je suis médecin pour les enfants, et c'est génial, comme je suis toute petite, j'ai leur taille, je leur fais pas peur. Voilà, voilà. Voilà comment un handicap très lourd à porter a été retourné, transfiguré dans une joie immense. Elle communique la joie à tous. Et je pourrais signaler tant et tant de personnes que je connais qui sont des sources de joie, de bonheur autour d'eux, malgré. Hein, voilà. Et souvent chez les enfants aussi. Je me souviens de ce petit enfant. Au Canada, il avait 4 ans, il n'avait pas de jambes. Et dans la prière, le soir, les autres enfants qui disent « Merci Seigneur pour le soleil, pour les fleurs. » Et puis tout à coup, il dit « Merci Seigneur pour moi. Merci pour moi. » C'est extraordinaire, ça, voilà. Et donc, nous devons pouvoir dire avec Sainte Claire, sur son lit de mort, Claire d'Assise, Seigneur, merci de m'avoir créé. Voilà, c'est la dernière parole, c'est la parole antidote à tout désespoir, à tout suicide. Merci de m'avoir créé. Voilà. Merci pour ma beauté. C'est une prière que nous devons dire très, très, très souvent. Voilà. Merci de m'avoir fait exister. Et voilà. Et Jésus lui-même, Dieu lui-même en personne, le Créateur lui-même en personne, a voulu justement personnellement faire l'expérience de partager toute notre existence depuis le premier instant de sa conception. Il a voulu diviniser tous nos temps de gestation en étant physiquement interconnectés avec tous les petits dans le sein de leur maman, de tous les temps et de tous les pays. Il a été bébé, enfant, adolescent, il a voulu être connecté physiquement et psychologiquement à tous les enfants, tous les ados, tous les jeunes, de tous les temps et de tous les pays. Voilà. Il a fait l'expérience de ce qu'est avoir 2 ans, 6 ans, 12 ans, 15 ans, 22 ans. À partir de 33 ans, c'est Marie qui prend le relais, voilà, puisqu'elle a vécu très âgée. Donc au-dessus de 33 ans, notre référence immédiate pour notre âge, c'est Marie qui a eu 60, 70, 80, etc. Voilà. Voilà. Alors c'est contre ce don de la vie qu'il y a toutes ces attaques du Satan, de même qu'on voyait hier, toutes ces attaques contre l'amour, eh bien là, il y a cette conspiration contre la vie qui prend aujourd'hui des proportions effroyables, comme vous savez. Jean-Paul II, qui a été le grand champion de la vie, d'ailleurs, c'est cette année, les 20 ans de sa grande encyclique, l'Évangile de la vie, qui est une merveille, qui est avant tout une symphonie, un oratorio à la beauté et à la splendeur de la vie. Et il disait que l'Évangile de la vie n'est pas réservé aux croyants, il est pour tous. La question de la défense, de la promotion de la vie n'est pas la prérogative des seuls chrétiens, elle appartient à toute conscience humaine qui aspire à la vérité. Et il dit que l'évangélisation, la nouvelle évangélisation, est inséparable de l'annonce de Jésus comme verbe de vie. La vie, c'est moi. Et c'est le seul capable de nous donner le sens de la vie, l'amour de la vie, le goût, la joie, le bonheur d'exister. Une culture de mort s'impose à notre désir de vivre. Le dragon, père du mensonge, tente, il essaye impitoyablement d'extirper des cœurs humains la gratitude et le respect pour le don originel, extraordinaire, fondamental de la vie humaine elle-même. Le peuple de Dieu subit continuellement les assauts du malin sur ce point-là. Et encore, aujourd'hui, l'humanité peut faire de ce monde un jardin ou le réduire en un amas de cendres. Elle a les capacités d'intervention sur les sources mêmes de la vie. Elle peut céder à l'orgueil aveugle d'une science qui n'accepte pas de limites
au point de bafouer le respect dû à tout être humain. C'est le grand prophète qui a été Jean-Paul II. Et donc nous sommes littéralement dans un état de guerre ou de duel entre celui que Jésus a nommé l'homicide, l'assassin, le tueur, et celui que Pierre, au matin de Pentecôte, appelle le prince de la vie. Nous sommes en plein combat. Alors nous savons déjà la victoire, que forcément la victoire est au prince de la vie, mais en attendant, que de ravages effroyables. Il y a toute cette guerre, nous voyons déjà aujourd'hui, en ce moment, nous avons plus de 10, nous avons 12 pays qui sont en état de guerre, comme vous savez, 12 pays qui sont en pleine guerre, avec des milliers de morts chaque semaine. On en parle assez peu, on évite de faire l'ensemble qui est trop effroyant, donc on prend pays par pays, on va prendre le Mali, on va prendre l'Ukraine, on va prendre l'Irak, la Syrie, etc. Mais quand on voit tout l'ensemble, c'est saisissant. Et quand on pense que depuis 100 ans, il n'y a eu que 35 jours de paix dans le monde, c'est-à-dire 35 jours où il n'y a pas eu une guerre quelque part. Et ce que Benoît sait, ce que Pape François appelle aujourd'hui la troisième guerre mondiale en morceaux, par petits morceaux. Voilà. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'est un autre domaine, mais parler de ce génocide aseptisé, complètement ignoré, je te le dis, qui est le drame de tant et tant et tant de vies données par Dieu et qui sont refusées sur terre. Voilà. Et c'est la première des guerres, la première des violences, la première des injustices, des exclusions, des tortures, des discriminations. Et tant qu'on laissera faire ce génocide et les petits innocents, c'est utopique de rêver d'un monde sans guerre, sans génocide, sans torture, sans violence, sans discrimination, sans etc. C'est complètement utopique. Il n'y aura jamais la paix sur la terre tant qu'on laisse faire le prototype de toutes les guerres. C'est-à-dire, comme dit Jean-Paul II, celle où le puissant ôte la vie, arrache la vie à celui qui est le plus faible, le plus innocent de tous. Le plus innocent, le massacre des innocents qui continue massivement par millions et par millions et par millions. Et voilà. Je ne vais pas trop développer cela, mais ça veut dire que c'est à l'origine de toute guerre, l'élimination du plus faible, du plus petit. Voilà, la culture du rejet, comme dit Pape François, qui parle énormément de l'avortement, mais on évite de relayer toutes ces paroles là-dessus, mais il y a des paroles d'une force extraordinaire. J'ai tout un livre sur tous ces problèmes, qui s'appelle « SOS, la vie ». Vous allez avoir tous les textes, justement, entre autres, des papes là-dessus. Voilà. Et alors, si on va à l'autre extrémité de la vie, c'est la même chose parce que l'avortement entraîne automatiquement l'euthanasie. Et l'euthanasie, en ce moment, est déjà massivement pratiquée dans un grand nombre de pays. Légalisée ou non, c'est tout de même pratiqué. Que ce soit clandestin par rapport à la loi ou pas, c'est massivement réalisé. Je prends mon pays, la Belgique. Nous sommes dans une situation terrorisante. En Belgique, Hollande, Luxembourg, toutes les personnes âgées vont dans les maisons de retraite en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Parce que l'Allemagne est très très sévère là-dessus. Elle protège la vie jusqu'à son dernier instant, jusqu'à la mort dite naturelle, et à cause des antécédents nazis. Vous savez que Hitler avait décidé dès 1935 d'éliminer 120 000 personnes non économiquement rentables, ceux qui coûtaient trop cher à soigner dans les hôpitaux, toutes les personnes handicapées, etc. Et le jeune Benoît XVI, quand il avait 9 ans, était très étonné de voir dans son petit village de Bavière, tout à coup il ne voyait plus l'aveugle du village,
l'homme un petit peu innocent, comme ça, la personne trisomique, il les voyait partir les uns après les autres. Alors on disait, ah, mais ils ont été prendre des vacances, ils sont tous allés en vacances. Et le problème, c'est qu'ils ne revenaient jamais des vacances. Les vacances ne finissaient pas. Et plus tard, il a compris, il a compris. Et c'est grâce à la défense archi-énergique des grands évêques comme Cardinal von Galen, qui a été béatifié, que Hitler a été obligé de réduire un petit peu. Voilà. Et c'était le commencement de ce qui va devenir la Shoah, donc le génocide massivement pratiqué. Voilà. Et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, pour faire la promotion de l'euthanasie, on reprend texto et des phrases de Hitler, texto, mot à mot, ou plutôt du rapport qu'il avait fait faire par un médecin et un psychiatre, et on reprend tous les voilà. Et les criminels de la guerre nazie ont été condamnés à Nuremberg pour euthanasie. Et les chefs de camp qui disaient, mais nous ne faisons qu'obéir aux ordres, voilà, nous n'aimions pas ça, les chambres à gaz et tout ça, on n'aimait pas trop ça, mais c'est notre devoir d'obéir. Eh bien, ils ont été condamnés pour n'avoir pas fait objection de conscience. Ils ont été condamnés parce qu'ils n'ont pas fait désobéissance civile. On leur a dit, vous aviez le devoir de désobéir aux ordres. Et vous ne l'avez pas fait, donc on vous condamne. Voilà. Et c'est d'une telle actualité que l'ONU n'a pas voulu qu'on fasse la commémoration des 50 ans du procès de Nuremberg, parce qu'on aurait été obligé de rappeler tous ces antécédents nazis. Voilà. Donc nous sommes en plein euthanasisme en ce moment, en plein. Voilà. Alors c'est tabou de se référer à Hitler, mais tous les documents sont là et tous les faits sont là, vous voyez. Alors c'est pour ça qu'en Belgique, en Hollande, où on zigouille une personne comme ça pour un oui, pour un non, un seul médecin décide, on a besoin d'un lit d'hôpital, donc la personne la plus malade, hop, on la fait paraître, on va dire que c'est une crise cardiaque, etc. On invente d'autres projets et en fait, on ne contrôle plus du tout. La loi sur l'euthanasie, avec quelques balises, il faut 3 médecins, il faut l'accord de la famille, l'accord de la personne et tout. Tout a volé en éclats. Et le gouvernement avoue lui-même, nous ne contrôlons plus rien. Voilà. Donc on est zigouillé comme ça, sans même te dire, je peux donner des tas de faits concrets. J'ai tous les documents là dans ce livre, SOS la vie, pour ceux qui veulent. Voilà. C'est pour vous dire que dès qu'on perd le sens de la vie, il n'y a plus aucune limite à l'esprit de mort. Oui, à l'esprit de mort. Alors maintenant, on fait passer ça sous d'autres noms, la sédation terminale, etc., etc., pour nous arracher la beauté de nos derniers moments de vie, dont on peut faire une telle beauté, donner nos dernières paroles à notre famille, à nos enfants qui sont autour de nous, etc. Eh bien non, il faut que ce soit qu'on soit complètement dans l'inconscient, etc. Tchouk, 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 tchouk. On veut nous arracher ce qui est le sommet de toute notre existence, ce que nous préparons durant toute notre vie. C'est pour ça que l'Église a une messe spéciale pour demander la grâce d'une belle mort, d'une bonne mort. Non pas dans la violence, dans les accidents, dans les attentats, mais une mort douce, paisible, comme on le voit dans les monastères, j'oserais dire. Voilà, tant de personnes qui sont parties sourire aux lèvres, donnant leur dernier conseil à leur famille, tout ça, c'est tellement beau. Mais tout ça, ça devient interdit, voilà. Sédation, toc, voilà. Je ne peux pas développer tout ça, mais c'est impressionnant, les proportions que ça prend en ce moment. Et donc les retentissements sur la psychologie, entre autres des jeunes, quand la vie n'a aucune importance, quand on la supprime avec une telle facilité, bien sûr dans les guerres extérieures, mais aussi par l'avortement, l'euthanasie, le suicide assisté. Pensez qu'en Belgique, il y a des kits pour se suicider qu'on peut acheter en pharmacie. On aide les jeunes à se suicider. Alors que c'est le plus grand des drames dans une famille, la chose la plus terrible
terrible qui puisse arriver à un enfant, un adolescent qui s'arrache à la vie, eh bien là, on l'encourage. Oh, tu as envie de mourir, tu as trop mal aux dents, tu as envie de mourir, oui, j'ai envie de mourir, oh, ben ça va, hop, petite piqûre, et puis c'est fait. Voilà, de suicide pour les enfants, c'est légalisé. C'est inouï qu'on en soit arrivé là, mais c'est inouï. Encore, je ne donne pas trop de détails pour que vous ne veniez pas des cauchemars la nuit suivante, mais j'ai beaucoup de détails sur tout ce qui se passe. Je me tiens au courant de tout ça et des témoignages de médecins horrifiés, etc. Voilà. Et donc, c'est vraiment l'homicide qui se déchaîne et qui semble triompher, apparemment. Et c'est pour ça que nous devons résister avec tant de force. Et c'est pour ça que se lève aussi toute une génération magnifique qui a le sens de la vie et qui se bat, qui rentre dans l'arène, dans le cirque, j'oserais dire, pour défendre à tout prix la vie. Ce sont toutes ces milliers d'œuvres de pure charité divine, toutes ces familles qui vont jeûner comme dans Mère de Miséricorde pour qu'une femme puisse garder son enfant, qui s'engage par avance à adopter cet enfant si la pauvre maman ne peut pas le garder, et qui souvent après la naissance sont tellement émues par le petit enfant, et bien que finalement elles ne veulent pas le donner en adoption et va le garder. Il y a des quantités qui témoignent de ça. C'est tellement beau, ces familles d'accueil, vous voyez, tous ceux qui se dévouent dans les soins palliatifs pour lutter contre l'euthanasie. Une personne qui est soignée avec amour, avec tendresse, dans un cadre de beauté, n'a jamais demandé d'être euthanasiée. Parce qu'elle demande euthanasie, c'est un SOS, c'est un cri. Mais j'existe, ne m'oubliez pas, etc. Pensez à moi. Et tout ça, et c'est le drame d'ailleurs de tant de personnes âgées qui sont mises au rebut dans des maisons, dans des prisons dorées, qui n'ont jamais la visite de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et des personnes âgées ne peuvent pas vivre sans des enfants, des petits-enfants. Et donc il y a une solitude effroyable. Il y a la solitude des jeunes qui se suicident et la solitude des personnes âgées qui se suicident. Alors que les deux solitudes pourraient s'annuler l'une l'autre en se rencontrant. Vous voyez, il y a une association aux États-Unis d'enfants qui adoptent des grands-parents, c'est-à-dire qui adoptent des personnes âgées comme s'ils étaient leurs propres grands-parents, c'est l'adoption à l'envers, et qui vont visiter ces personnes âgées dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, pour qu'il y ait des enfants. C'est magnifique, c'est une idée de génie, oui, une idée de génie. Voilà, on adopte des grands-parents. Et il y a tellement de ces œuvres, comme Jugend für das Leben en Allemagne, etc., ces jeunes qui passent toutes leurs vacances à passer de village en village en chantant à la guitare leur joie d'exister, qui disent « Mais hélas, dans la guerre, dans notre guerre, j'ai tant de mes camarades ont été tués, ils ne sont plus là, etc. » Vous avez les vieillards qui disent « Mais enfin, ces jeunes ont 18 ans, de quelle guerre est-ce qu'ils parlent, etc. » Alors ils expliquent la guerre actuelle contre la vie. Nous avons eu de plus en plus, nous avons ces admirables médecins ou infirmières ou même sages-femmes qui font objection de conscience pour refuser de donner une piqûre létale ou pour l'avortement. En Italie, on a toutes les peines du monde à trouver maintenant, aux États-Unis aussi, des médecins qui accueillent, qui font ces meurtres. Voilà. En Italie, 60% des gynécos refusent de faire des avortements, et au sud de l'Italie, 90%. Et on oublie ce courage, parce que l'objection de conscience implique que quelquefois ils perdent leur travail, ou en tout cas n'auront aucun avancement, mais préfèrent vivre plus pauvrement, plus simplement, mais suivre leur conscience. Voilà. On ne pense pas assez à eux. Vous avez aussi tous ces centres aux États-Unis de guérison
pour le syndrome post-avortement, pour cette grande blessure laissée dans le cœur d'une maman. Et la plus grande des consolations pour elle, c'est de suivre ce que Jean-Paul II leur dit avec tant de tendresse dans cette encyclique Évangile de la vie. Avez-vous pensé à demander pardon aussi à votre petit enfant, car maintenant il vit dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il vit dans la gloire du Seigneur. C'est une canonisation collective de tous ces petits innocents qui sont les plus grands saints de notre temps, les plus puissants sur le cœur de Dieu. Et je rajoute, c'est eux qui vont accueillir leurs parents au ciel en disant, vous n'avez pas voulu de moi sur terre, mais moi je veux de vous chez Dieu, chez moi, donc chez vous, nous sommes maintenant toujours ensemble. Je vous accueille, vous qui n'avez pas pu, à cause de tant de pression, tant de difficultés, m'accueillir sur terre. Voilà. Nous avons ces grandes figures de prophètes de la vie, de chevaliers de la vie, le roi Baudouin, qu'on voyait son visage hier, qui a eu ce courage fou de préférer perdre son trône plutôt que signer la loi légalisant l'avortement. En posant cette question humoristique aussi, serais-je le seul Belge qui n'aurait pas le droit à l'objection de conscience ? C'est génial. Il dit, c'est pas parce que je suis roi que j'ai pas le droit de suivre ma conscience. Voilà. Et donc, il a joué de son trône parce que ça posait un énorme problème constitutionnel du refus de signer une loi qui était passée à la majorité. Mais il a pensé, le roi doit toujours être du côté des plus faibles, des plus petits. Et donc, je suis le roi de tous ces petits-enfants dans le sein maternel. Donc, je dois prendre leur défense. Voilà. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'on a dû réunir d'urgence le Parlement, sinon c'était la fin de la Belgique, et vous avez eu pratiquement à l'unanimité, tous ont voté que le roi Baudouin demeure le roi. Voilà. Même ceux qui étaient pour l'avortement, et tout ça, c'est extraordinaire. Et son neveu, le grand-duc Henri de Luxembourg, a fait exactement la même chose il y a 5 ans à propos de l'horrible loi sur l'euthanasie au Luxembourg. Il a carrément refusé de signer. Du coup, le gouvernement a fait une entourloupette, on a changé la constitution. D'ailleurs, sans même consulter le peuple. Voilà, ça dit notre grand courage. Nous avons ce grand Jérôme le Jeune qui va bientôt être béatifié. Ce qui serait merveilleux, c'est qu'il soit béatifié avec une petite trisomique. Ce serait quelque chose d'extraordinaire. C'est un génie, professeur Lejeune, qui n'a jamais eu le prix Nobel parce qu'il a toujours pris la défense courageusement de tous ces petits atteints du syndrome de la trisomie 21, comme vous savez. Et en fait, je ne peux pas trop raconter, parce que ça mène trop loin. Il y a un très beau livre sur lui, de 600 pages, admirable. Et il y a tout un fait très émouvant, c'est qu'il est en Terre Sainte, en pèlerinage, avec des généticiens du monde entier. Donc pas en pèlerinage, mais le dernier jour, ces généticiens ont une journée de détente en Galilée. Et il a une heure de libre à Tibériade, il va prier dans une petite chapelle, et là, effusion de l'Esprit Saint. Il est complètement bouleversé, en larmes, tombant à genoux. Et une heure plus tard, ils sont à Nazareth et il entend tous ces généticiens qui se moquent du mystère de la virginité de Marie. Ils sont en basique, voilà, ils se moquent tous, ils rigolent, etc. Et lui, ce qu'il n'aurait jamais fait avant cette effusion de l'Esprit Saint, il se détache du groupe et va s'agenouiller en prière. Et tous les autres se taisent. Le grand Jérôme le Jeune qui prie. Voilà, ça y est. Voilà. Un témoignage, voilà. Et quelques mois après, il est à San Francisco pour une conférence sur le nucléaire dont il était spécialiste. Et toute la nuit, il sent qu'il doit changer le sujet et parler du drame de l'avortement. Et alors qu'il recevait toujours des standing ovations, des acclamations,
acclamations pendant 10 minutes après chacun de ses interventions dans toutes les universités du monde. Là, pas un applaudissement, tout le monde lui tourne le dos, on ne lui donne pas la main et il est mis de côté de la communauté internationale, ce scientifique international, voilà. Et il a dit, j'aurais jamais eu le courage s'il n'y avait pas eu cette Pentecôte, cette effusion de l'esprit à Tibériade. C'est très très beau. Alors, il faut lire sa vie, c'est d'une splendeur, il est mort comme un saint. Son dernier geste est un petit mot pour l'anniversaire d'un des 6000 enfants trisomiques qu'il avait adopté, qu'il avait suivi personnellement, il connaissait chaque prénom. Et le plus bel éloge, plus beau encore que l'admirable lettre de Jean-Paul II, qui en pleurait le matin de Pâques. Jean-Paul II a pleuré en disant « Seigneur, pourquoi tu m'as pris mon frère Jérôme ? Pourquoi tu m'as pris mon frère Jérôme ?» Et alors à Notre-Dame de Paris, après la lecture de la lettre du Saint-Père, il y a un de ces jeunes, portant la trisomie, qui n'était pas prévu, qui vient prendre le micro et qui dit cette chose extraordinaire. « Papa Jérôme, merci pour toi, car à cause de toi, je suis content d'être moi. » C'est extraordinaire. Voilà. À cause de toi, à cause de ton regard que tu as posé sur moi, à cause de ta tendresse, je suis content d'être moi. C'est tellement beau. Mais là, je n'ai pas le temps d'en parler. Il faudrait faire 3 heures d'enseignement sur Jérôme le Jeune. C'est une merveille. Une merveille. Et vous savez, la première fois qu'il est monté au créneau à la télévision, c'est parce qu'une petite trisomique a dit « Fais quelque chose pour nous, car on va tous nous tuer. » Il y avait sur les murs de la Sorbonne tuer le jeune et ses petits monstres, tuer le jeune et ses petits monstres, tuer le jeune et ses petits monstres, vous voyez. Alors il dit, vont tous nous tuer, va prendre notre défense. Alors il demande à monter sur le plateau de la télé et puis il fait un vibrant éloge de ces merveilles de Dieu que sont ses enfants. Et en revenant, la petite se jette à son bras, merci, on ne va pas nous tuer car tu es là, etc. C'est tellement beau, vous voyez. Mais ce qu'il faut dire, sa répercussion justement sur tant et tant de jeunes de toute cette culture de mort qui nous enserre de partout. Et donc nous devons suivre ces grands exemples, Mère Teresa, etc. Elle faisait pleurer tout le monde, toutes ses traductrices éclataient en larmes dès qu'elle parlait du don, de la beauté, de la vie, etc. Voilà. Alors, je ne vais pas parler de tout ce qui touche les manipulations génétiques, ça va nous entraîner trop loin, mais c'est pour dire l'actualité de l'objection de conscience. C'est notre arme la plus forte auquel le pape nous encourage tout le temps, voyez. Et je vais terminer par justement parler de ce mystère de la famille, puisque c'est précisément la famille, le lieu où l'altérité et la fécondité se conjuguent, le lieu par excellence de la vie, le berceau de la vie, l'éclosion de la vie. Victor Hugo parlait du cristal de l'humanité, pour dire la fragilité et en même temps la splendeur de la famille qui est le cœur du cœur de Dieu. Voilà. Vous savez que Jean-Paul II a été par excellence le pape de la vie, évidemment, à la conférence internationale du Caire, quand l'administration américaine du temps de Bush, non, c'était avant, Clinton, avait agressé, enfin pas physiquement, mais verbalement, agressé les représentants du Saint-Siège, justement sur les questions de vie, etc. Ce sont 8 pays musulmans qui ont exigé une demande de pardon des États-Unis au pape pour avoir osé insulter le pape. En disant, le pape, donc c'était Jean-Paul II, c'est le champion de la vie au nom de toute l'humanité. Au nom de toute l'humanité. J'étais à une conférence pour la vie à Varsovie et j'ai entendu des orthodoxes, des protestants, des musulmans, des juifs, et tous venaient au micro
en disant nous ne sommes pas catholiques, mais nous sommes tous comme un seul homme derrière votre pape catholique, parce qu'il défend la vie en notre nom à tous. Voilà. Et c'est l'intervention des femmes de la délégation du Saint-Siège à l'ONU qui ont pu éviter que l'avortement soit imposé au monde entier comme la norme pour tout contrôle de population, etc. C'est grâce à la lutte du Saint-Siège. Voilà. Donc Jean-Paul II est vraiment le génie. Alors il est le pape de la vie, mais le pape de la famille, le pape de la sexualité, comme vous voyez, de la vie et de la famille. Et là, il a eu ce mot tellement émouvant. Si l'histoire doit un jour se souvenir de moi, je voudrais que ce soit comme le pape de la famille. Et vous savez que son grand accident, chute, le col du fémur là, dans sa douche en 94, qui a coupé en deux tout son pontificat, physiquement. C'est à partir de 94, pas de l'attentat du 13 mai 81, dont il s'est finalement assez bien remis, mais c'est cet accident-là qui a fait que tout son corps a commencé à partir en morceaux, j'oserais dire. Tout, voilà. Et donc il a dit, puisqu'aujourd'hui, il a donné le sens à cet accident en disant: pourquoi cela s'est passé en cette année de la famille? Parce que la famille est en danger, le pape lui-même doit être en danger. Il doit souffrir pour chaque famille qui souffre. Et un évangile supérieur à tout, c'est l'évangile de la souffrance, par laquelle se prépare l'avenir des familles, de chaque famille, de toutes les familles. Et quand on a mis son cercueil en terre, ce sont les 12 ouvriers de Saint-Pierre, ils se sont tous mis à genoux et chacun a dit: Saint-Père, tu es le pape de la famille, je te confie mon enfant, ma tante, etc. Voilà, pape de la famille. Voilà. Pour ça, essayez tous de relire en ce 20e anniversaire l'évangile de la vie, mais aussi sa lettre aux familles qui est extraordinaire, sa lettre aux enfants. C'est le premier pape qui a eu l'idée d'écrire des lettres à toutes les catégories. Voilà. Et c'est lui qui a développé la famille comme sacrement de la Trinité. De la Trinité. Voilà. C'est-à-dire le signe visible, tangible de la vie donnée par amour à travers et des personnes différentes. Voilà. Il dira: le modèle originel de la famille doit être cherché en Dieu même, dans le mystère trinitaire de sa vie. Le nous, nous, le Père et le Fils et l'Esprit qui disent nous faisons, nous. Il dit c'est le nucleus, c'est l'origine, la source du nous de chaque famille. Vous voyez, quand Marie montre Joseph à Jésus, quand il a 12 ans, qu'il est perdu au temple, Marie qui dit: ton père et moi, nous te cherchons. Voilà. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas seulement voulu être à la source de toute famille, être lui-même une famille, mais faire l'expérience, et rien d'autre que l'expérience d'une simple vie de famille pendant 30 ans sur 33 ans. La Sainte Famille, pas seulement de Nazareth, mais d'Égypte, on oublie toujours ces 4, 5, 6 ans en famille en Égypte, exilés, pour partager la condition de ces millions d'exilés et de réfugiés du monde, donc sa sainte famille de Bethléem, Égypte et Nazareth. Et c'est très beau que nous ayons devant nous les deux icônes de la Sainte Trinité et de l'autre Trinité sur terre. Voilà, Marie qui est du côté de l'Esprit Saint, vous voyez, car l'Esprit Saint est féminin, Joseph qui est du côté du Père, parce qu'il est pour Jésus le sacrement, le signe visible de son Père du ciel. Quand Marie dit « Joseph et moi », il regarde Joseph
Et Joseph est une telle icône vivante de son Père du ciel qu'il s'écrie « Mon Père du ciel ». Joseph le renvoie au Père du ciel. Si seulement tous les papas de famille étaient vraiment des Joseph, sacrement du Père du ciel. Et l'enfant au milieu, ben c'est le même. C'est le fils unique et c'est le petit enfant dans les bras de Marie. C'est le même. Et voilà. C'est pour ça que Jean-Paul II dira tout le mystère de la famille est entré. Voilà. Le sanctuaire de la Sainte Famille dans l'histoire de l'humanité, c'est là que Jésus a proclamé l'évangile de la famille en le vivant au quotidien. À Nazareth est né le printemps de la vie humaine du Fils de Dieu. Entre les murs accueillants de la maison de Nazareth s'est déroulée dans la joie l'enfance de Jésus. Ce mystère nous enseigne que la famille donne au monde, en chaque enfant, un nouveau sourire. Voilà, l'enfant don de Dieu. Voilà. Et donc, à partir de cette relation dans la famille, cette relation trinitaire, qui commence avec le mariage. Et le mariage, c'est vraiment Dieu lui-même qui fait sien, qui assume personnellement le libre choix des deux jeunes fiancés qui se marient. Voilà. Philippe, tu as choisi Vanessa pour devenir un saint. À travers elle, avec elle, toute ta vie, eh bien, je confirme que tu as fait le meilleur des choix. Aujourd'hui, je le confirme, je l'assume et je m'engage avec toi. Voilà, c'est la troisième personne qui s'engage dans tout mariage. Voilà. Et chacun reçoit son conjoint des mains du cœur de Dieu. Voilà. Philippe, c'est moi qui te confie ma petite enfant Vanessa pour que tu en fasses une sainte. Voilà. Et vice-versa, bien sûr. Donc chacun reçoit l'autre du cœur de Dieu. Ce que je dis d'extraordinaire, c'est d'extraordinaire. Bon, on ne peut pas développer tout ça, ce serait trop temps. Et c'est pour ça que chaque mariage est une Pentecôte. Et Jean-Paul II dit que cette Pentecôte doit être renouvelée régulièrement, surtout les anniversaires de mariage, comme un prêtre essaye de renouveler son ordination, la Pentecôte, son ordination, pour l'anniversaire de son ordination. C'est pour ça que maintenant, dans la liturgie, c'est obligatoire qu'il y ait une hymne, un chant à l'Esprit Saint. Alors on le faisait déjà beaucoup, surtout dans le renouveau. Mais maintenant, ça fait partie intégrale. Parce que comme dit Jean-Paul II, c'est de cette effusion de l'Esprit Saint que naît la force intérieure des familles, comme aussi la puissance capable de les unifier dans l'amour et la vérité. L'amour ne peut plus être approfondi et préservé que par l'amour qui a été répandu dans nos cœurs, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Il dit aujourd'hui, il est impossible de rester fidèle devant tellement d'attaques pour détruire la famille sans ces effusions renouvelées de l'Esprit Saint. Et dans sa lettre aux familles, l'expression effusion de l'Esprit Saint revient 7 fois. Vous voyez, c'est très fort. Fais donc sur eux descendre la grâce de ton Esprit Saint afin que par ton amour répandu dans leur cœur, ils restent toujours fidèles à l'alliance conjugale. C'est de cette effusion de l'Esprit Saint, etc., etc. Et voilà, c'était très, très, des paroles très, très fortes. Voilà. Et donc, à l'intérieur d'une famille où l'on accueille justement l'enfant, qui sont le sourire du ciel confié à la terre, ils sont les vrais joyaux de toute la famille, les délices de l'Église, comme les lys des champs, etc., etc. Quand les époux transmettent la vie à leur enfant, un nouveau tu humain s'inscrit dans l'orbite de du nous du couple. C'est très très beau. Tout à coup, le couple qui s'ouvre sur l'avenir, sur le futur, ils sortent de leur
cocon de couple, si je puis dire, c'est l'amour entre eux qui s'ouvre pour l'éternité de ses enfants. C'est extraordinaire. Et là, comment dire, notre admiration, l'émerveillement de Dieu, le bouleversement du cœur de Dieu, de tant de parents qui adoptent un enfant souvent profondément handicapé. Ça, c'est la chose la plus divine sur terre, parce qu'ils font ce que Dieu même fait pour chacun de nous. Ils nous filialisent. C'est beaucoup plus fort que le mot adoptif. C'est ce qu'on dit. C'est des parents qui filialisent, qui vont aimer un enfant qui n'est pas de leur chair, comme Joseph, qui est le premier des papas adoptifs. Il adopte son Dieu comme son enfant. Ce n'est pas l'enfant de sa chair, mais il accueille la mère et son enfant. Donc, il est le père adoptif qui filialise Jésus. Voilà. Voilà, qui l'aime comme son tout petit. Et Dieu sait que ce n'est pas facile et qu'il y a tant et tant de souffrances. Voilà. Et là, Jean-Paul II dit que les parents sont les premiers pères et mères spirituels de leur enfant. De même qu'ils ont donné la vie selon la chair, ils doivent donner la vie aussi selon l'Esprit Saint. Selon l'Esprit Saint. Je n'ai pas le temps de lire. Voilà. Dans la biologie de la génération est inscrite la généalogie de la personne. Ah oui, il insiste beaucoup, Jean-Paul II, pour dire que la venue de l'enfant continue toute la chaîne généalogique, détruite par tout ce qu'on a dit hier, évidemment, toute cette filiation des générations. Voilà. Et que nous devons toujours penser à la partie de notre famille qui est déjà dans l'au-delà, qui est déjà au ciel et qui prie pour nous. Vous voyez ? Déjà penser à nos futurs arrière-arrière-petits-enfants, mais être connecté aussi au ciel avec toute la partie céleste de nos familles qu'on oublie beaucoup trop. On réduit la famille juste à, finalement, à son petit nucléus, papa, maman et l'enfant, et on oublie toute cette filiation intergénérationnelle. Voilà. Et pape François vient de rappeler, justement, mercredi dernier, je n'ai pas le temps de lire le texte, tout récemment, c'est cette importance, justement, de se situer dans une continuité généalogique et que l'enfant apprenne à connaître sa généalogie. Voilà, c'est très important. Voilà. Et alors, toute l'importance aussi, justement, pour cet engendrement spirituel et des enfants, de tout simplement la prière en famille, qui est tellement délaissée aujourd'hui, tellement, et c'est la clé de la fidélité, c'est la clé de l'amour conjugal. C'est là que l'enfant comprend que son papa, il y a quelqu'un au-dessus du papa. Quand il l'entend dans la prière, par exemple, le papa qui demande pardon. Seigneur, je demande pardon aujourd'hui parce que j'ai été impatient envers mes enfants. Papa demande pardon à ses enfants. Pardonne-moi, mon petit Bruno. J'ai claqué la porte à ton nez ce matin. J'étais impatient, je demande pardon. Alors, il voit que les parents sont eux-mêmes des enfants par rapport à Dieu. Et donc, quand les parents vont les décevoir, quand le papa va peut-être devenir violent, alcoolique, divorcé, etc., eh bien, il n'y aura pas cette collusion entre Dieu et le papa qui fait qu'on va rejeter Dieu à cause de papa qui n'est plus du tout, pas du tout, un sacrement du Père, et on rejette tout, voilà. Tandis que quand tout petit, il comprend qu'il n'y a pas de confusion entre son papa et le Père du ciel. Il va rejeter son papa de la terre, qui est un papa indigne, qui a peut-être abusé de lui, etc., mais il ne va pas rejeter le Père du ciel. Voilà. Vous voyez, que toutes les répercussions. Voilà. Et parce qu'aussi, la prière en famille, c'est le lieu
pour ces pardons mutuels qui peuvent sauver une famille. Je vais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup, qui est arrivée dans la famille d'une fille de Jeunesse Lumière. Donc, ce sont trois enfants, un adopté du Mexique, Roberto, et les parents décident de divorcer et tout. Alors, les enfants se retrouvent tous les soirs pour demander au Seigneur que leurs parents restent ensemble. Et ils supplient leurs parents de venir à la prière. Alors, un soir, ils viennent, parce qu'ils sont un peu exaspérés par les invitations pressantes, et ils sont bouleversés, parce qu'ils entendent les trois petits entre eux qui se demandent « Pardon, Béatrice, pardonne-moi, j'ai volé ton bic ce matin, tu l'as cherché toute la journée, c'est moi qui l'avais, pardon, etc. » Et à la fin, Béatrice qui dit « Papa, maman, maintenant à votre tour !» Alors là, boum, voilà, des sanglots, ils s'enferment toute la nuit, ils font la lumière sur tous les quiproquos, les malentendus. « Ah, donc quand tu es rentré ?» L'autre soir, à 3h du matin, j'étais sûr que tu avais couché avec une telle, je ne savais pas que c'était ta panne de voiture et tout ça. On met tout dans la lumière du Seigneur, on arrête tout le procès de divorce, on part un nouveau voyage de noces comme deux petits amoureux, on confie les trois enfants à une tante et au retour, les trois enfants qui disent « Papa, maman, pendant votre absence, nous avons pris deux décisions. » Ils auraient pu rajouter « avec l'Esprit Saint ». Comme dans les Actes des Apôtres. Première décision, chaque mardi soir, c'est votre soirée coupe. Vous êtes chez vous, papa, pas de sortie, pas de télé, pas de net, pas d'invité. Voilà, on vous prépare le repas et vous êtes entre vous une fois par semaine pour vous aimer entre vous. Voilà. Jeudi soir, soirée famille. Ni sortie, ni invité, ni net, ni télé, etc. On est là pour être simplement en famille. Et voilà, et comment depuis maintenant 30 ans, les parents sont toujours ensemble, comme des jeunes amoureux, sauvés par leurs enfants. Voilà. Alors ce qui est très beau dans cette histoire, parce qu'elle est très simple, c'est simplement que les enfants avaient appris dans un couple de prière et d'adoration à se pardonner le soir. Et tout est parti de là. Ils ont sauvé leur famille, voilà. Mais si on ne prie pas ensemble, en couple et en famille, c'est presque impossible de se réconcilier, de se pardonner, etc. C'est aussi le lieu d'éclosion des charismes et des enfants. J'ai tout un autre livre là-dessus qui s'appelle « Ton enfant, il crie la vérité ». C'est-à-dire l'enfant a un tel sens de Dieu, inné, qu'il peut te sortir des phrases bouleversantes déjà dites par Saint Augustin, Saint Jean Chrysostome, etc. Or, le petit môme de 3 ans n'a jamais lu en grec Saint Jean Chrysostome, vous comprenez. Et des phrases textos les mêmes, d'une profondeur théologique. Le plus grand théologien que j'ai eu comme professeur, le cardinal Journet, allait chaque samedi dans une classe d'enfants, justement, pour écouter les enfants lui parler de Dieu. Et il dit, j'ai reçu de lumière à l'écoute de ces petits qui sont les plus grands théologiens de notre temps. Je n'ai pas le temps de citer des mots, mais ça vous arrache les larmes, vous voyez. C'est aussi le lieu d'éclosion des charismes de l'enfant, et des charismes des enfants qui ont un vrai charisme pour la guérison, obtenir la guérison des malades. Voilà. Donc on fait venir les enfants prier, imposer les mains à un malade, à l'hôpital, en clinique ou à la maison, et on voit des choses merveilleuses, peut-être pas forcément une guérison immédiate, instantanée, quoique c'est arrivé plusieurs fois, mais au moins un grand soulagement. Vous voyez, les enfants, certains, ouais, et des enfants qui ont un charisme de prédication. Moi, j'ai fait prêcher des enfants de 12 ans, quelquefois, qui ont une parole prophétique extraordinaire. Alors, tous ces charismes que les parents doivent essayer d'éveiller chez leurs enfants. Et aujourd'hui, ce sont les enfants qui entraînent leurs parents vers le Seigneur. Des enfants qui demandent à leurs parents d'être baptisés. C'est qui invitent leurs parents à venir à telle session, etc. Et c'est extraordinaire. Voilà, on ne peut pas trop tout développer. Je voudrais terminer avec juste
de choses. Le regard prophétique, c'est-à-dire voir en chacun, les parents voient dans leurs enfants, les enfants dans leurs parents, les enfants entre eux, le couple entre eux, dans tous les sens. Ne pas être obnubilé par le négatif de l'autre, ses blessures, ses défauts, ses petits côtés, tout ça, mais toujours s'émerveiller de la beauté de ce qu'il y a de plus beau, de plus profond, de plus juste, de plus vrai, de plus authentique en chacun. Parce qu'on est souvent à être obnubilé justement par le négatif. C'est comme quelqu'un face au Mont Blanc, il a tout le panorama du Mont Blanc, au soleil levant, et puis il est là, furinx, parce qu'il y a un poteau électrique en béton qui n'est pas joli. Alors je suis tout à fait d'accord, je voudrais dynamiter ce poteau en béton, mais qu'est-ce que c'est que ce seul poteau en béton comparé à tout ce panorama des 4000 mètres enneigés, etc. On est souvent comme ça, voilà. Et dans notre école, Jeunesse Lumière, on tâche de vivre ça. En début d'année, quand on commence une nouvelle année, on ne se connaît pas, on vient de 12, 15 pays différents, on fait un pacte de confiance mutuelle en se bénissant. On dit à chacun, merci d'exister, j'ai besoin de toi cette année pour devenir un enfant de Dieu, je te fais toute confiance, tu es un cadeau de Dieu pour moi. Voilà. Chacun reçoit l'autre dans sa culture différente, etc. Chacun reçoit l'autre comme un cadeau de Dieu. Et à la fin de l'année, on fait un procès de béatification mutuelle anticipée. On se béatifie les uns les autres, sans attendre qu'un pape nous béatifie plus tard. On commence tout de suite, voilà. C'est-à-dire que chacun va dire à chacun, devant tout le monde, tout ce que le Seigneur m'a parlé à travers toi, tout ce que j'ai reçu de toi, tout ce que tu m'as aidé à être au service des autres, tout ce que ça m'a touché de voir comment tu dis ton chapelet le soir, etc. Et, tout. Et voilà, toutes les qualités, les dons, les charismes, souvent enfouis dans une personne et qu'on a découvert et qu'on a essayé d'éveiller au long de l'année. Voilà. Et ça, ce serait très beau de vivre ça, par exemple pour l'anniversaire d'un enfant, lui dire depuis un an, voilà tous les efforts que tu as faits, mais c'est génial, c'est super, c'est fantastique, etc. Voilà tous les beaux changements que tu as vécu, tout ce que tu as fait de beau dans cette année, etc. Voilà, toute une félicitation, une béatification, tu béatifies ton enfant, c'est formidable ça, en voyant toujours le meilleur, voilà. Et le petit dessert final va être un texte magnifique, trop peu connu, justement de notre saint roi Baudouin. Alors j'espère que je vais le retrouver. Je voulais parler un peu des familles nombreuses. Là, c'est une famille qui m'a envoyé leurs 14 enfants avec un petit résumé de ce que fait chaque enfant en ce moment. Voilà ce qu'il est devenu. Il y a plusieurs adoptés d'ailleurs. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et voilà. Alors, que je cite notre saint roi Baudouin de Belgique. Parce qu'il dit ça aux chefs d'État de toute l'Europe réunis à Strasbourg pour les 20 ans de l'Union européenne. Avec un autre texte qu'il a dit à l'ONU. Pour l'anniversaire de la Charte des droits de l'enfant. Donc il parle en tant que chef d'État. J'avais mis de côté ce texte, où est-ce qu'il a disparu, mon Dieu. Pardonnez, un petit problème technique. Attends, mais toutes les pages s'en vont dans tous les sens. Où est-ce que c'est? Où est-ce que je l'ai mis? Il y a aussi un drame que je n'ai pas évoqué, mais c'est le drame de la dénatalité, de l'hiver démographique épouvantable. L'Union européenne, vous savez, sauf l'île de Malte, est un immense paquebot en train de couler sous la ligne de survie des peuples.
c'est une chose que Pape François nous rappelle beaucoup, beaucoup encore dans l'avion en revenant des Philippines, des pays comme l'Italie qui n'ont plus qu'un enfant par femme en moyenne. Donc c'est dramatique, ça veut dire un chômage épouvantable et ça veut dire que dans 10 ans, tous ces pays, France compris, seront incapables de nourrir toutes les personnes âgées. Parce qu'il n'y aura pas assez de jeunes adultes capables de travailler, tout simplement. Et donc toute la pyramide et des âges, qui est normalement relativement peu de personnes âgées et beaucoup d'enfants, c'est le cas en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Brésil, 50% de la population a moins de 16 ans, quelque chose comme ça, de moins de 15 ans. Imaginez l'électrochoc des Brésiliens qui arrive à Toulon, vous comprenez. Et vous avez des villes en Italie où maintenant 50% des personnes ont plus de 65 ans et 70 ans. 1 sur 2 a plus de 70 ans. Vous avez Rio de Janeiro, 1 sur 2 a moins de 15 ans ou de 14 ans. Voyez. Et donc l'avenir du monde est dans ces pays. Ils n'ont pas beaucoup d'euros, mais beaucoup d'enfants. Et l'avenir n'est pas aux euros, il est aux enfants. Voilà, heureusement, ils vont venir nous sauver, nous repeupler. Et ça pose des problèmes dramatiques, dramatiques, dramatiques. C'est ou bien, justement, l'euthanasie massive, ou bien l'importation massive d'étrangers pour travailler au risque de perdre toute notre culture, etc. Alors, je suis très vexé parce que j'avais ce texte sous les yeux juste avant l'enseignement. C'est quand même incroyable, il disparaît. Alors voilà, ça y est, merci Seigneur. Alors ça va être la finale. Peut-être attendez-vous d'un des chefs d'État qu'il place l'harmonie familiale parmi les biens nécessaires à l'enfant et à l'adolescent. Eh bien oui, je le fais avec une intense conviction. À un moment où en Europe, les liens matrimoniaux sont souvent mis en question par une fausse conception de la liberté. L'origine de nombreuses maladies de notre monde actuel se trouve dans l'absence d'un foyer chaleureux. En matière de démographie, les conséquences des comportements actuels vont bien au-delà du présent, car la marque en est imprimée de manière indélébile pour plus d'un siècle. Justement, il prévoit, il y a déjà 20 ans, il avait vu venir ce drame de l'hiver démographique entraînant un enfer économique. Très bien vu la chose. La paix n'est pas seulement affaire de gouvernement. La paix se construit dans l'âme des peuples quand les hommes et les femmes de ces peuples ont confiance les uns dans les autres. Voilà. Ils basent tout sur la confiance mutuelle. La confiance mutuelle. La paix familiale n'est jamais un bien acquis définitivement. Elle se construit chaque jour entre conjoints par le dialogue, la confiance, le respect réciproque, la réconciliation. C'est dans un tel climat que dès le plus jeune âge, les enfants peuvent faire l'apprentissage de la paix. Voilà. Et ça, c'est une chose capitale à dire aujourd'hui. C'est le lieu précisément où l'enfant fait ses premières expériences de société, de sociabilisation entre frères et sœurs, apprendre à se pardonner, à être solidaires les uns des autres. C'est là que se prépare le futur citoyen. Vous voyez, dans un monde souvent violent, les enfants seront à leur tour des artisans de paix. Autrefois, la guerre menaçait nos pays et nos foyers. Aujourd'hui, elle menace nos esprits et nos cœurs. L'ancien impérialisme, colonialisme, visait à conquérir des territoires. Le nouvel impérialisme cherche à dominer les intelligences. C'est extraordinaire, ça. La jeunesse est la première victime de la guerre, mais le premier fruit de la paix. Il faut 20 ans de paix pour faire un homme, 20 secondes de guerre pour le détruire. C'est en privilégiant la jeunesse, en lui demandant beaucoup spirituellement et moralement, que l'Europe ira dans le sens de la vie. Le renouvellement suffisant des générations, l'enthousiasme de la jeunesse
sont tributaires d'une autre fécondité, la fécondité qui procure l'harmonie et la stabilité des foyers où naissent les jeunes vies. La jeunesse a le sentiment d'une exclusion sociale. Ouvrez-lui les portes, élargissez ses horizons. Voilà, parole non d'un évêque, mais d'un chef d'État que le Seigneur donne au monde des chefs d'État de cette trempe-là, de ce courage-là, voilà, qui défendent la vie au prix même de leur propre vie, voyez. Et donc nous prions pour... Je n'ai pas évoqué le drame de la Chine où je vais quelquefois avec la politique de l'enfant numéro un. En ce moment, vous avez 5 millions de jeunes filles qui manquent en Chine pour que les garçons puissent se marier. C'est un drame épouvantable. On doit importer des jeunes filles de tous les pays limitrophes pour que les garçons puissent se marier. Parce qu'on ne peut avoir qu'un enfant, c'est le génocide des femmes. On choisit toujours un garçon. Parce que comme il n'y a pas de truc de retraite, de pension de retraite, c'est le fils unique qui doit faire vivre ses vieux parents, grands-parents et quelquefois arrière-grands-parents. Si le fils unique est tué, il n'y a plus rien. Vous voyez ? C'est dramatique. Dès qu'on touche au mystère de la famille, ça entraîne des conséquences sociales catastrophiques. Voilà. Et en Chine, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'il y a maintenant tellement de personnes âgées, vous comprenez, et presque aucun jeune adulte, puisqu'on ne peut avoir qu'un enfant. Voilà. Et puis, quand il n'y a qu'un enfant, eh bien, il n'y a pas toute cette socialisation entre frères et sœurs, voilà, qui préparent, voilà, c'est ça. Donc tout se tient, vous voyez. Alors voilà, rendons grâce pour la beauté du mystère de la vie, demandons au Seigneur le courage et la force d'être des témoins, non seulement de la joie de vivre, mais des témoins qui montent au créneau pour défendre au prix de leur sang, au prix de leur martyr, ce mystère de la vie et de la famille. Et nous sommes entraînés en ce moment par ces milliers de nouveaux martyrs, je pense à tous ces martyrs en Syrie, en Irak, qui ont tout perdu, tout qui prendre, qui n'ont plus jamais retourné sur leur terre ancestrale où ils sont là depuis 2000 ans, parce qu'ils ont simplement refusé de renier Jésus. Ils ont tout perdu sauf Jésus. On ne peut pas se taire sur ce drame qui est la fierté, qui est la gloire de l'Église. Et quel courage inouï, je pense, à ces millions de réfugiés dont un grand nombre, par centaines de milliers, ont froid dans les montagnes kurdes, etc. Tout simplement à cause de Jésus, à cause de leur fidélité à Jésus. Ils ont refusé de passer à l'islam, et bien c'était ou la conversion à l'islam, ou tout perdre, être réfugié toute sa vie, ou être tué. Et il y en a tellement qui ont été tués, uniquement à cause de Jésus. Et bien voilà la source de notre courage qui nous stimule, qui nous entraîne, soyons dignes d'eux. Ne soyez pas des chrétiens rapaplas dans leur fauteuil, là. Soyez prêts à aller en prison pour avoir dit des choses politiquement incorrectes, tout de même, liberté d'expression, eh bien, exercez-la pour le Seigneur, etc. Vous voyez ? Amen, amen, amen.